Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée de Yacine Bonu au Real Madrid. Mais avant de commencer, like, abonne-toi et c'est parti. En quête d'un nouveau gardien numéro 1 pour remplacer Thibaut Courtois blessé, le Real Madrid veut Yacine Bonu. Les dirigeants madrilènes ne pensaient pas que Courtois allait se blesser. Mais voilà, la nouvelle est tombée. Sorti en larmes sur civière à l'entraînement, Thibaut Courtois a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et va donc se faire opérer. Résultat, le portier belge sera au moins absent pendant 9 mois et le Real Madrid va donc devoir faire sans lui, sans le meilleur gardien du monde. Alors forcément, pas question pour les dirigeants madrilènes de faire une grande partie de la saison sans un gardien numéro 1 de haut niveau. Dans un timing court, le club madrilène a donc commencé à chercher son nouveau numéro 1. Les candidats ne manquent pas puisque Keylor Navas est toujours indésirable au PSG, David De Gea est libre depuis son départ de Manchester United ou encore Hugo Lloris sur le départ de Tottenham. Mais le Real Madrid apprécie surtout la piste menant à Yacine Bonu. Le Marocain est un gardien incroyable. Il a prouvé durant la Coupe du Monde 2022 en arrêtant de multiples pénalties. Bonu est vraiment incroyable, que ce soit avec la sélection ou bien avec Séville. L'arrivée de Yacine Bonu au Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois serait évidemment une bonne idée. Voici pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et ciao!